La chaîne des tops d'investissement. Avant nous, quels sont les risques d'investissement sur une action comme Kering en date d'aujourd'hui? Donc, vous savez généralement que nous, on aime lire les rapports financiers, d'accord? Donc, avant de prendre une décision d'achat, on lit les rapports financiers et on s'intéresse uniquement aux entreprises qui sont intéressantes, qu'on peut comprendre également et qui ont d'habitude d'abord des avantages compétitifs. Et vous pouvez généralement les identifier avec généralement des marges qui sont assez stables, d'accord? Donc, ce qu'on va faire ici aujourd'hui sur Kering, c'est par rapport au bad buzz présentement sur Balenciaga, avec le départ également de Gucci, est-ce que ce sont des éléments négatifs qui pourraient impacter durablement la rentabilité de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise nous l'a mentionné dans les rapports financiers, dont je ne parle pas du départ, etc. Mais est-ce que l'entreprise, par rapport à ce genre de risque-là, est-ce que l'entreprise est parée et quelles sont les solutions qu'elle peut mettre en place au cas où ce genre de situation survient, comme présentement avec le départ du directeur artistique de Gucci, ainsi que le bad buzz lié à la marque Balenciaga? Alors, simple. Comme d'habitude, la plupart de ces informations-là, vous pouvez les retrouver dans les rapports financiers, notamment le DEU, le document d'enregistrement universel ici. Donc, on va le prendre, on va le feuilleter, on ne va pas tout lire, hein, bien sûr. On va juste aller sur les éléments importants qui se rapportent à la situation actuelle. D'accord? En tant qu'investisseur, vous devez déjà être au courant de ce genre de situation-là. Et quand ça survient, au moins, vous savez déjà comment est-ce que... Au moins, vous pouvez juger la façon dont l'entreprise répond à ce genre d'accusation ou bien à ce genre de situation-là. D'accord? Donc, on va aller sur le DEU de 2021. Donc, en page ici, voilà, c'est la page... voilà, on va... Où est-ce que c'est quoi le numéro de la page encore ici? Donnez-moi juste un instant. Alors, page combien? C'est le... Alors, page 291, ok? Donc, à la page 291, ici, c'est la page 291, c'est la première page que j'ai sélectionnée ici, c'est page 291, ok? Donc, on va voir à peu près, l'entreprise, en fait, définit ceci. Au niveau de la hiérarchisation ici des principaux facteurs de risque du groupe, elle dit ceci, on a premièrement, le niveau 1 ici sont les droits humains, libertés fondamentales, blablabli. Et le niveau 2 ici concerne les biens immobiliers, changement climatique, changement macroéconomique, géopolitique, le Covid-19, cybersécurité, modèle d'affaires de Kering, initiative majeure de Kering et talent. Par rapport à la situation actuelle, je pense premièrement le départ du directeur artistique, c'est dans l'onglet talent, généralement. Et je pense que tout le tapage négatif au niveau des médias ici par rapport à Balenciaga, et puis d'abord, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne suis pas là pour vous dire c'est bien, ce n'est pas bien, etc. J'ai même pas pris la peine de regarder ça en profondeur, d'accord? So, ici, je pense que ça va plus se rapporter au modèle d'affaires de Kering, d'accord? Donc, on dit ici qu'au niveau de la créativité au service d'un luxe au niveau de la créativité, on dit ceci. La créativité est au service d'un luxe qui allie héritage et audace, la croissance pour promouvoir la croissance organique, l'expertise pour renforcer les synergies d'intégration, les talents pour développer les talents et le développement durable pour agir dans un luxe durable. Donc, c'est ce qu'ils disent ici c'était dans l'intitulé cette année, le groupe a décidé de classifier ses risques à partir des fondamentaux du groupe qui sont la créativité, la croissance, l'expertise, les talents et le développement durable. Donc, ça, c'est la première partie. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet ici, notamment quelles sont les différentes, la cartographie ici des risques. Donc, au niveau de la créativité, ici, les risques ici, c'est par rapport aux fondamentaux de l'entreprise, d'accord? Dont la créativité, la croissance, l'expertise, les talents, le développement durable. Maintenant, on les situe par niveau de criticité. Donc, ça va de, je pense, c'est de 1 à 4, ok? Donc, vous remarquez que ce qui m'intéresse, c'est surtout le 2, 3 et 4, d'accord? Donc, au niveau de la créativité ici, ça touche le modèle d'affaires de Kering, donc c'est un niveau 2. Donc, au niveau de la croissance, ça touche le niveau 2 ici, macroéconomie, Covid-19, initiative majeure de Kering. Niveau 3, c'est la production, fabrication, risque, fraude, corruption, réseau de distribution, image, approvisionnement. Donc, déjà ici, au niveau de l'image, ça touche Balenciaga, d'accord? So, au niveau de l'expertise ici, donc en criticité ici, niveau 2, biens immobiliers, cybersécurité. Niveau 3 ici, risque financier, risque juridique. Niveau 4, respect de la loi fiscale nationale et normes internationales. Donc au niveau des talents ici, c'est niveau 2 ici, donc ça concerne les talents, on va le voir ici. Donc le but est de savoir à peu près qu'est-ce que Kering fait pas, si un de ces événements-là survient, comment est-ce qu'elle se prépare dès aujourd'hui? D'accord? Donc, on ne va pas tout lire comme je vous l'ai dit ici. On va aller point par point. Donc, maintenant, on va à la page suivante ici. Donc, on va y arriver. Alors, où est-ce qu'on est? C'est toujours 294 ici. Donc, on va aller à la prochaine page. Je pense c'est la page 297. D'accord? Donc, on va sur 297. Et voilà. Donc, au niveau du modèle d'affaires, la probabilité d'occurrence est de niveau 3. Donc ici, il vous mentionne également la probabilité d'occurrence de ce genre de situation-ci. OK, donc, niveau d'affaires ici, probabilité d'occurrence niveau 3. Donc, ça veut dire que c'est fort probable que ça survienne. D'accord? Quand c'est niveau 2, c'est peu probable. C'est probable, c'est peu probable. Et niveau 3, c'est, voilà, c'est, il y a de fortes chances que ce soit le cas. D'accord? So, au niveau de la probabilité d'occurrence, modèle d'affaires, on dit ceci. Description du risque. Difficulté d'adaptation du modèle d'affaires des maisons basées sur la créativité au regard des objectifs stratégiques du groupe et des attentes du marché. Exemple, manque de structure permettant de soutenir les directeurs artistiques dans l'expression de leur créativité. Dépendance excessive d'une maison vis-à-vis de son directeur artistique. Ça vous parle, n'est-ce pas? Donc, ils sont au courant qu'ils ne doivent pas, une maison ne doit pas absolument dépendre de son directeur artistique. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font donc pour ce genre de situation-là? Perte d'attractivité d'une maison à mesure que l'expression de la créativité du directeur artistique évolue. D'accord? Donc, peut-être Balenciaga, avec la campagne actuelle, la maison sera moins attractive parce que la campagne actuelle, c'est l'expression de la créativité du directeur artistique. D'accord? Donc, peut-être que les gens ne voudront plus allier leur image avec Balenciaga tant que ce directeur artistique est là. D'accord? Difficulté à anticiper les changements dans les attentes des consommateurs. Donc, techniquement, si vous faites voilà, des choses que les consommateurs ne recherchent pas en date d'aujourd'hui, ce qui est sûr, ça ne va pas se vendre. Okay? Donc, il vous dit ici que le liberté, la créativité des maisons du groupe, le succès, la collection, l'attractivité, comment commerciale en résultant sont confiés aux directeurs artistiques et sont entretenus par le respect de l'identité de la marque et des fondamentaux au cours du temps. Donc, Kering consolide en continu sa structure organisationnelle et favorise le développement de ses talents afin de s'assurer que les directeurs artistiques soient soutenus et stimulés dans leur travail et dans la recherche d'inspiration nouvelle. L'interaction constante entre les directeurs généraux des maisons et la direction du groupe favorise un pilotage dynamique des activités des maisons et une réactivité accrue par ailleurs. La présence des directeurs généraux et des principaux maisons au comité exécutif de Kering permet au groupe d'être plus à même d'appréhender les besoins des maisons, de maintenir un dialogue permanent avec les directeurs artistiques et de soutenir leur processus créatif. Donc, il faut savoir que ce genre de choses-ci repose absolument sur le directeur artistique. Si vous prenez un directeur artistique qui n'a aucune vision, comme moi, d'accord, ce qui est sûr, si vous me mettez à la tête de Gucci, ça tombe demain matin. D'accord? Parce que créativité chez moi, c'est zéro. En tout cas, niveau tout ce qui concerne fashion, etc. D'accord? Donc, surtout que leur rôle à eux, c'est de créer des tendances. D'accord? Et ce n'est pas facile de faire. D'accord? So, les fortes interactions entre le directeur général et le directeur artistique de chaque maison sont des garanties de la préservation de sa valeur et du respect de son identité dans le temps. Donc, les impacts comptables liés à une perte de valeur qui pourrait notamment résulter d'une perte de désirabilité d'une maison sont détaillés dans la note 14 annexée au compte consolidé au 31 du mois de décembre 2021. Ça veut dire que vous allez lire la note 14 pour avoir le plus d'informations par rapport à ce risque-ci. D'accord? Donc, ce que je comprends ici, c'est que l'entreprise ici favorise le développement de ses talents. Donc, on peut avoir un directeur artistique ici, mais à côté, on est déjà en train de former 2, 3, 4 directeurs artistiques. D'accord? Donc, on favorise ici l'émergence de talents. Donc, on continue. Donc, ça a été, on l'a lu ici, mais on ne fera pas la même chose pour le reste. Hein. Donc, en page 298 ici, il mentionne ceci. La macroéconomie et la géopolitique. Donc, le groupe est présent sur de nombreux marchés et exposé à des évolutions économiques, réglementaires, sociales et politiques susceptibles d'affecter la demande des consommateurs, de perturber les opérations et de peser sur la rentabilité. La probabilité d'occurrence est très élevée. Donc, ça peut arriver. C'est fort probable que ça arrive, comme présentement. D'accord? C'est fort probable que ça arrive. Donc, la baisse des flux touristiques influencée par des facteurs tels que les instabilités politiques, menaces sécuritaires, volatilité de l'environnement, de taux de change, changement en matière de politique douanière ou fiscale. Donc, le tourisme est très... Le succès ici du secteur tourisme touristique est... comment on dit ça? Kering dépend du succès du secteur tourisme. D'accord? Et également de la variation des taux de change. Par exemple, je prends un exemple, hein, pas dans le sens où on ne peut pas fixer les prix, dans le sens où les Américains, par exemple, ont envie de plus aller en Europe parce que leur monnaie est plus forte, d'accord? Et s'ils vont plus en Europe, ils vont consommer de plus en plus de Kering, donc tout va bien pour nous, d'accord? Ça, c'est un exemple. Donc, la non-prise en compte des changements créés par les tendances macroéconomiques et la dégradation des perspectives du secteur du luxe au niveau mondial ou particulièrement pour les groupes de consommateurs importants, exemple les consommateurs chinois. C'est pas pour rien qu'on a mentionné les Chinois à l'intérieur. Hein. Vous savez que c'est important. Quand une entreprise vous dit que ça, c'est important, c'est que c'est important. Donc, tout ce qui pourrait entraîner les consommateurs chinois à se détourner des marques de Kering, voilà, il faut déjà essayer de l'anticiper avant. D'accord? Donc, les événements majeurs, les crises d'instabilité politique, catastrophes naturelles, sanitaires, de portée internationale susceptibles d'impacter les activités de production et de distribution du groupe. Donc, maintenant, il vous dit ici que les actions qui sont engagées, ça, je vous laisse lire. D'accord? Donc, vous savez déjà qu'au niveau macroéconomique, ça peut impacter ici le taux de change également peut impacter le détournement, l'évolution ici du tourisme peut impacter négativement l'entreprise également. So, on continue. Quel est l'élément qu'on va suivre? Page 305. D'accord, on va à la page 305 directement. L'image. Atteinte à l'image et à la réputation du groupe ou de ses maisons entraînant une perception négative de la part des parties prenantes, exemple clients, consommateurs, fournisseurs, collaborateurs, actionnaires, citoyens, vis-à-vis du groupe et, in fine, une dégradation de ses résultats. So, l'image ici peut avoir un impact négatif sur l'ensemble des activités de l'entreprise. D'accord? Parce que ici, les gens achètent du Gucci, c'est par rapport à l'image. Et si cette image est associée à quelque chose de très négatif, bah, il y a de fortes chances que les revenus diminuent. D'accord? Après, dans ce monde, on n'est jamais trop sûr de certaines choses. Donc, une couverture médiatique défavorable, voire inexacte, ça vous dit quelque chose? Tout comme des conversations négatives sur les réseaux sociaux, ça vous dit quelque chose? Sur des pratiques supposées du groupe, ou des produits de ces maisons pourraient non seulement endommager l'image du groupe et sa réputation, mais aussi provoquer un éventuel ralentissement des ventes. Ça me fait rire parce que je regardais une vidéo tantôt concernant, pas Kering, mais oui, concernant Balenciaga ici. Cette chaîne-ci, j'aime bien, ça parle beaucoup de mode, des trucs, ce genre de choses-là, basket, etc. Donc, Rapid Crew, vous pouvez aller voir la vidéo qu'il a fait sur Balenciaga. Donc, vous allez voir ici qu'il y a eu tout un tapage médiatique par rapport à Balenciaga. Il y a également eu, voilà, sur les réseaux sociaux, ça a énormément chauffé, etc. Donc, on vous mentionne ici que ça peut avoir un impact négatif sur la marque. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait pour se protéger par rapport à ce genre de situation? Je vais vous laisser aller découvrir ça ici. Donc, on peut dire par ailleurs, Kering partage avec ses salariés, mais toujours également des lignes directives sur l'initiative, sur l'utilisation des réseaux sociaux, dont le groupe dispose d'un dispositif de veille permanente des médias, donc dispositif de veille permanente des médias et des conversations sur les réseaux sociaux concernant le groupe et ses maisons. La procédure de gestion de risque en place qui fait l'objet d'exercices de crise régulière inclut le risque d'image et la gestion médiatique, quel que soit le type de crise potentielle qui soit de nature opérationnelle, sanitaire, sociale, juridique, réputationnelle. Donc, Kering a les oreilles partout. Donc, quand on commence à parler en mal de Kering, si ça chauffe un tout petit peu, il y a des gens qui sont là pour essayer de pouvoir éteindre le feu rapidement. Ça peut passer par des excuses, des choses comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Donc, c'est pas, ils ne sont pas juste attentifs. C'est pas comme s'ils sont des événements comment dire ça? Ils sont préparés à réagir à ce genre d'événement-là. D'accord? Donc maintenant, je ne sais pas quel sera l'impact à ce niveau-là. Et ce n'est même pas le premier scandale. Vous pouvez aller regarder. Quand on parle ici du PDG, du directeur artistique, les directeurs artistiques, ça change tout le temps. D'accord? Celui-ci était là depuis à peu près 2015. Donc c'est quand même un bon 7 ans. D'accord? On peut voir ici l'évolution de la marque Gucci. Mais vous pouvez également voir que ce n'est pas le premier directeur artistique. D'accord? C'est une marque qui existe depuis plusieurs années et il y a toujours eu plusieurs directeurs artistiques ici. Donc, les talents, ce n'est pas ça qui va manquer. Mais maintenant, il faut avoir la vision nécessaire pour sélectionner la bonne personne. Et jusqu'à présent, ça va. Ils arrivent à se maintenir. Okay? Après, il y a également des produits qui sont intemporels à Gucci, donc des choses qui existent depuis plusieurs années, qu'on ressort encore et encore et qu'on remet juste au goût du jour. Donc, de ce côté-là, je ne m'inquiète pas. Au niveau de l'image, comment on dit ça? Je pense qu'au niveau de l'image également, c'est quelque chose qui pourra s'arranger. Donc, de ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait une crainte majeure. Surtout si l'entreprise s'excuse, retire tous les produits, etc. C'est fini. Voilà. Après, on va vous dire qu'on va donner de l'argent aux fondations. Après, on va dire qu'on va, OK, maintenant, on va prêter attention à la lutte contre la pédocriminalité et tous ces blablabli là. Donc, ils savent tout faire ici pour pouvoir s'arranger au niveau des médias. Et vu que l'être humain change rapidement, il y a beaucoup de gens qui vont revenir sur du Balenciaga, etc. D'accord? So, on continue ici. Ça, c'est en page 13, c'est en page 315. Donc, au niveau des talents, ici, la difficulté à identifier, à développer des compétences des collaborateurs et les retenir, perte au potentiel de savoir-faire des équipes, mais aussi des artisans et fabricants au sein des chaînes d'approvisionnement ou des communautés auprès desquelles le groupe s'approvisionne en matière de en matière première clé ou spécifique. So, les talents, ici, on les développe et c'est sur toute la chaîne de valeur. Ce n'est pas juste le directeur artistique, ça passe également par les artisans, ça passe également par les fournisseurs. OK? Donc, la probabilité d'occurrence également est très élevée. Ici, droits humains, liberté fondamentale, probabilité d'occurrence très élevée parce qu'on n'est jamais à l'abri ici de harcèlement et de violence, de conditions de travail dangereuses, etc. Donc, vous pouvez également aller lire ça ici. Donc, après ça, on va au dernier. Le dernier, c'est lequel ici? Bon, ça, c'est juste ce que moi, j'ai sélectionné, hein. Il y a le changement climatique ici qui peut avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement, d'accord? Ça peut également avoir un impact ici sur, au niveau, quand on parle même de chaîne d'approvisionnement, ça touche déjà la production, etc. Donc, je disais ceci, l'ensemble de ces éléments est présent dans les rapports, l'ensemble de ces éléments présents qu'on vit aujourd'hui par rapport à Kering, l'ensemble de ces éléments était déjà visible sur les rapports financiers, d'accord? So, en tant qu'investisseur, on est déjà au courant de ce genre de situation. Maintenant, on essaie de voir est-ce que la solution que l'entreprise adopte ici est la bonne. Par exemple, concernant le scandale ici Balenciaga, s'ils avaient laissé tout ça courir, ne s'excusant pas, etc., là, en tant qu'actionnaire, j'allais un tout petit peu stresser. D'accord? Le fait que le directeur artistique de Gucci s'en va, techniquement, bof. On prendra un autre. Et il y a de fortes chances qu'il y ait des gens peut-être même plus compétents que lui. Donc, ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois, d'accord? Ça également, c'est correct. Je me dis que la situation actuelle, voilà, sont des événements ici qui sont à peu près gérables. Moi, je pense que l'entreprise est en train de réagir de la bonne façon. D'accord? Maintenant, on va voir à peu près à quoi ça va ressembler. Donc, ce qui fait que toutes ces variations-là, ça peut avoir un impact positif ici en tant qu'actionnaire pour quelqu'un qui aimerait acheter des actions de Kering. Attention, ça c'est juste au niveau des risques ici. Il faut regarder au niveau de la distribution et encore la perception de l'image qu'on a ici. Ça peut être moi, d'accord? Est-ce que le chinois, ça sera la même chose? Ceux qui sont nos plus gros clients, comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ça? Donc, notamment, on pourra le voir ici sur les 2 prochains trimestres. D'accord? Pour voir à peu près si on se maintient, etc. Mais il ne faut pas oublier que la situation du moment également doit être prise en considération. D'accord? Dans le sens où il y a une récession qui pointe le bout de son nez. Donc, il y a de fortes chances que les voyages, c'est la consommation discrétionnaire. Donc, on pourrait peut-être s'en passer. En tout cas, voilà l'ensemble des éléments que vous pouvez retrouver ici dans les rapports financiers. D'accord? Donc, ce qui veut dire que quand on a des surprises pareilles, bof, c'est pas le moment de vendre ses actions. On s'assoit, on lit, point barre, ok? Et on décide de la vente dépendamment ici de la réaction de l'entreprise, d'accord? Pour le moment, personnellement, je ne vois rien de... Je vois pas de nuages, je vois pas de nuages gris à l'horizon, en fait, d'accord? Ça peut arriver, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais ça ne devrait pas être une habitude non plus, d'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. D'accord? Lisez vos rapports financiers. Si vous voulez faire du stock picking, lisez vos rapports financiers. Il n'y a pas de raccourci. C'est chronophage, mais on tire énormément d'informations positives qui nous aident à tenir à long terme. D'accord? Si on se base uniquement sur les chiffres, ce n'est pas durable à long terme. Je ne dis pas que les chiffres ne sont pas importants. Je dis une chose, c'est qu'il faut faire parler ces chiffres-là. Présentement, si on a un ralentissement des résultats ici, on pourra se dire, OK, le ralentissement, c'est dû à telle ou telle situation. Est-ce que cette situation est durable ou pas? Et je me base peut-être sur l'expérience passée. Je me dis, OK, c'est déjà arrivé par le passé. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et par rapport à la réaction qu'ils ont eue par le passé, on peut se dire ici que la probabilité pour que ça aille mieux à l'avenir est assez élevée. D'accord? Ici, on a juste survolé les choses. Ce n'est pas tout, c'est pas tout l'ensemble. Je ne vous ai pas présenté tous les risques ici. D'accord? J'ai uniquement sélectionné ceux qui ont voilà, un lien avec les événements actuels. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.